Dans les précédentes vidéos, nous avons survolé la mécanique des portefeuilles que nous allons approfondir théoriquement et pratiquement dans les deux prochains lives. Nous pouvons donc commencer à parler de la blockchain elle-même. Serait-il possible de pirater la blockchain autrement que par les portefeuilles ou ses utilisateurs? Bien, la plupart des gens disent et pensent que non. Mais tu me mets le doute, là. C'est pas supposé être une technologie inviolable, ça? Nous allons regarder tout cela ensemble. Premièrement, qu'est-ce qu'une blockchain? Ceux qui me suivent déjà depuis quelques années auront peut-être un sentiment de déjà-vu, mais cette révision est nécessaire. Ceci dit, je vais essayer d'aborder le sujet sous un angle nouveau. Déjà, et comme son nom l'indique, une blockchain est une liste de blocs chaînés. Bon, jusque-là, je pense qu'on l'avait deviné. Donc, on peut imaginer des carrés reliés entre elles par une chaîne. Oui, mais dans ce cas-ci, la chaîne est ce qu'on appelle un hash cryptographique. Et ces fameux carrés, les blocs, contiennent les informations que nous voulons conserver. Donc, c'est une sorte de base de données fabriquée avec des boîtes empilées l'une sur l'autre. On pourrait voir cela comme ça, mais ce qui est important, c'est que dans chacune des boîtes, il y a trois types d'informations. L'information structurelle, qui représente la structure du bloc comme tel, comment les informations sont mises à l'intérieur d'elle. Ensuite, il y a l'entête identitaire, une des informations les plus vitales au concept de la blockchain, car c'est ici qu'on instaure la notion de chaîne et la cryptographie. Et pour finir, il y a la zone de données qui renfermera les transactions ou les résultats d'exécution des contrats intelligents. On peut donc imaginer l'information structurelle comme étant une structure JSON qui contiendra les autres informations du bloc. Cette structure comporte les valeurs suivantes. Le numéro du bloc, la taille du bloc, l'entête identitaire du bloc, le nombre de transactions qui sera inclus dans le bloc et la liste des transactions ou des résultats d'exécution. L'entête tant qu'à elle, la pierre angulaire du concept de la blockchain, comporte la version de la technologie du bloc utilisé, le hash du bloc précédent, le hash de toutes les transactions dans le Merkle tree, la date et l'heure, la difficulté du bloc et le numéro qui générera le bon hash en fonction de la bonne difficulté. As-tu des cachets? J'ai mal à la tête. Ne t'en fais pas. Ce sont tous des informations sur lesquelles nous reviendrons en détail. Pour des soucis d'exactitude, j'ai tout mis ici. Et encore, je n'ai pas encore exposé la structure de la liste des transactions. Donc, ce qu'il faut noter, et le plus important, c'est que le header du bloc contient le hash du bloc précédent. Et c'est ce qui compose la fameuse chaîne de la blockchain. OK, mais c'est quoi le hash? Le hash est en fait une sorte de photo numérique du bloc précédent, enfin de son header, son entête. Nous parlerons du hashage dans le prochain épisode. Mais gardons en tête que ce fameux hash est en fait une sorte de photo qui nous servira à savoir si un bloc a été modifié ou pas, et si nous sommes en présence d'un bloc légitime ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, likez à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou que ce soit une petite flamme, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez, partagez-la un maximum avec les gens qui pourraient être intéressés, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Bonne journée.